Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Claude Tricot. Aujourd'hui, on parle de chaussettes qui partent de la cheville pour aller vers l'orteil. Avant de commencer, vous pouvez aller dans la boîte de description pour aller visiter mon site web et vous inscrire pour une info-lettre mensuelle. Vous pouvez aussi cliquer sur le petit lien qui vous permet de faire un don à la chaîne, ce qui est très apprécié pour pouvoir continuer à vous offrir des vidéos gratuitement. Vous pouvez évidemment aussi vous abonner à ma chaîne, c'est la façon la plus facile et rapide de m'encourager. Donc, aujourd'hui, on fait ce type de talon. Donc euh, j'ai monté ici euh, le nombre de mailles que je fais habituellement pour une chaussette ce qui est 56 mailles pour moi avec des aiguilles euh, de grosseur 2.25 mm. Moi, j'utilise les Chiaogoo. Et celles-ci ont été faites sur des euh, mini-circulaires, des, des circulaires de 9 pouces. Euh, à vous de voir. Euh, la méthode, évidemment, que je vais utiliser pour ça, je vais le faire en ce moment avec ces aiguilles-là, mais vous pouvez le faire avec n'importe quelle aiguille, c'est-à-dire des doubles pointes, des aiguilles circulaires plus longues en magic loop. C'est vraiment à vous de voir qu'est-ce que vous préférez. Donc, j'ai monté 56 mailles. J'utilise personnellement un long tail cast on, donc un montage à la continentale. Je trouve ça amplement. Euh, j'ai fait des côtes 2-2 pour cette, cette euh, chaussette. Ça aurait pu être des côtes 1-1, des côtes torse, c'est vraiment à votre goût. Et j'ai fait une dizaine, quinzaine de rangs avant de commencer mon talon. Donc, j'en suis à mon talon ici et je fais un classique, en anglais on appelle ça un heel flap and gusset. Donc, c'est euh, un talonnet, un talon double avec un talonnet et un gousset. Et c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Donc, la première chose à savoir, c'est que ce type de talon est fait sur la moitié de nos euh, mailles. Donc, ici, j'ai mis un marqueur euh, au début de mon rang et un marqueur au milieu de mon rang. Et donc, je vais commencer directement au début de mon rang à faire mon talonnet. Si vous aviez euh, un motif sur votre chaussette, motif, le motif serait devant le talonnet derrière. Donc, choisissez judicieusement où vous allez faire votre talonnet. Et euh, je veux dire le talon double, pas le talonnet. Donc, pour le talon double, classique comme celui-ci, il y a plusieurs façons de le faire. Aujourd'hui, je fais celui-là euh, qui est euh, celui qu'on voit le plus souvent. Ce qu'on va faire, c'est simplement glisser une maille comme pour tricoter à l'envers, sans la tricoter, et tricoter la prochaine. Donc, glisser, tricoter. Et comme vous le voyez, quand je glisse, comme pour tricoter à l'envers, ma laine reste derrière. Et c'est ça qui va donner un peu de, euh, de plus d'épaisseur au talon, au talon double et qui va euh, empêcher que la friction crée des trous dans les chaussettes. Ça dépend des gens. Il y a des gens que leurs chaussettes s'usent au niveau du, de l'arrière du talon, comme celui-là, ou il y a des gens que ça s'use plus au niveau de... Euh, d'en dessous du talon. C'est à vous d'analyser à force de les porter hein, pour voir si vous avez besoin d'un peu, euh, peu de plus de, de structure, mettons, au niveau du euh, heel flap qu'on appelle en anglais. Donc, quand on arrive à la fin. J'ai mon marqueur ici. C'est un, euh, une maille tricotée. Je vais maintenant tourner mon travail parce que je vais faire mon... Je vais juste travailler sur la moitié de mes, euh, de mes mailles. Donc, je tourne mon travail. À partir de ce moment-là, personnellement, je n'ai plus besoin de ce marqueur parce que... Euh, je suis assez facilement, je sais assez facilement où j'ai tourné mon travail parce qu'il va y avoir un petit trou ici et c'est normal. Et maintenant je vais faire une maille lisière pour être capable plus facilement, plus tard de, euh, de reprendre mes mailles quand va venir le temps de faire euh, le gousset. Et donc je vais glisser la première maille comme pour tricoter à l'envers avec mon fil en avant et je vais tricoter à l'envers tout le rang ici. J'ai fait tout ça à la continentale, mais au retour, je vais le faire à l'anglaise pour toutes les personnes qui préfèrent le voir à l'anglaise. Vous allez suivre votre patron sur combien de fois faire cet aller-retour. Une règle générale, si vous n'avez pas de patron, c'est de faire le nombre de rangs euh, qui représente la, la, la moitié de vos mailles. C'est-à-dire que moi, je fais un une chaussette à 56 mailles et donc je vais faire 28 rangs, ce qui équivaut à 14 allers-retours. Vous me suivez? Donc en faisant 14 allers-retours, ça va me donner une longueur de talon qui est quand même assez standard. Ensuite, quand vous allez porter vos premières chaussettes et tout et tout, vous allez remarquer si vous avez besoin d'un peu plus de profondeur ou moins. Euh, dans votre talon, mais euh, vous pouvez aussi faire des mesures très mathématiques, mais moi euh, j'y vais avec le standard puis après ça j'ajuste. Donc j'aime bien, euh, je vais le mettre tout de suite, mettre un marqueur de maille, un marqueur qui s'enlève, donc soit une petite euh, une petite euh, light bulb comme ça ou un marqueur autre qui s'enlève. Et j'aime bien le mettre dans ma première, ma toute première maille que j'ai glissée parce que je sais que ça c'est le début. Quand je vais venir compter mes petites mailles sur le côté, je sais où j'ai démarré. Ça, c'est une petite préférence personnelle. Donc, encore une fois, avec la laine dans la main droite cette fois-ci. Donc, euh, je vais enlever la laine du chemin. On est ici et on va glisser en tenant la, maille, la, la laine derrière, glisser comme pour tricoter à l'envers et puis tricoter à l'endroit. Glisser comme pour tricoter à l'envers et puis tricoter à l'endroit. Donc, on n'a pas besoin de bouger notre laine d'en avant en arrière parce qu'on ne fait pas des côtes. On fait simplement un motif de mailles glissées. Donc, là, je pourrais, si j'étais une personne qui a besoin de prendre des notes, noter combien de mailles. Combien de, de rangs j'ai fait, donc j'en suis au troisième rang ou à la deuxième répétition de l'aller-retour. À vous de choisir votre préférence. Et je vais vous montrer comment ensuite je compte euh, les mailles que j'ai faites. Et là, euh, si vous êtes plus certain hein, où est-ce que vous avez glissé ou pas glissé, vous pouvez aller regarder derrière. On va commencer à voir où est-ce qu'on a glissé des mailles derrière. Je vais vous montrer qu'on va avoir un petit peu plus de tricot de fait pour vraiment avoir une bonne, un bon visuel. Mais habituellement, toutes les mailles glissées vont s'aligner et toutes les mailles tricotées vont aussi s'aligner. Donc, ça va vous donner ceci après. Quand vous avez fait plusieurs rangs, plusieurs, on peut voir facilement que les petites rangées qui créent comme les vallées là au milieu, euh, toutes les mailles sur toutes les rangées ça a été tricoté, tandis que ben ça s'est fait dans ce sens-là. Ici toutes les mailles sont tricotées à l'intérieur, tandis que les autres ici une maille sur deux n'est pas tricotée, elle est simplement glissée. C'est ça qui donne une maille plus grosse, l'apparence de la maille plus grosse en avant. Et ça nous donne ceci à l'arrière. J'ai pas rentré mes fils encore. Qui est une espèce de. Euh, on voit les places ici, tous les petits bouts de fil plus longs ici. Un, deux, trois, quatre. Ça, c'est toutes des mailles glissées. Et ça crée vraiment un, 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 un tissu qui est plus épais. Donc, j'ai fait ma troisième rangée. Je retourne. Évidemment, je prends ma laine dans ma main gauche. Je vais glisser la première maille en gardant ma laine derrière. Donc, je garde toujours la laine du côté. Quand je fais ma maille glissée du côté où je suis. Donc, quand je suis dans le côté envers, je garde ma laine en avant parce que c'est des points envers que je fais. Et quand je suis sur le côté endroit, je garde ma laine euh, en, en arrière parce que euh, mon côté est... Euh, ma laine est en arrière pour tricoter des points en droit. J'espère que je suis claire. Oups. Donc... Je vais faire toute ma rangée comme ça et je vous retrouve un peu plus tard quand vient le temps de compter nos mailles, nos, nos rangées de talons doubles et commencer le talonnet. On est de retour. J'ai fait toute, tout le euh, talon double qui a l'air de ceci. Et donc, je vous ai dit que j'allais vous montrer comment je calcule combien de rangs j'ai fait. Ce que je fais en fait, c'est que je mets un marqueur. Celui-là est particulièrement cute. C'est de la boutique Les Garçons. Donc, je mets un marqueur dans la toute première maille que j'ai glissée. Ça pourrait être aussi à la base ici, parce qu'on remarque que, vous pouvez le voir, les mailles qui sont glissées sont un peu plus grosses que les mailles qui ne sont pas glissées. Donc, on peut voir quand j'ai commencé à glisser mes mailles. C'est juste ici. Donc ça, c'est une maille que j'ai glissée. Donc je peux compter à partir de la base ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je ne compte pas celle qui est sur mon aiguille parce que je l'ai tricotée en revenant à l'envers. Donc j'ai 14 fois deux rangs, parce qu'évidemment une maille glissée, c'est deux rangs. Donc j'ai fait 28 rangs, ça fonctionne, ma mes mathématiques sont bonnes. J'aime aussi, moi j'aime le mettre sur le côté, ça ne change absolument rien, c'est la même chose. Donc j'ai ma maille ici glissée qui est dans mon marqueur. Et je peux compter à partir d'ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Inc. 14. C'est plus difficile à la caméra, mais pour moi, en réalité, c'est vraiment facile de compter mes mailles glissées. Donc, j'ai fait 14 répétitions de mes deux rangs. J'en suis ici. Et là, vous allez voir les petits marqueurs parce que j'en suis à faire le talonnet. Et pour le talonnet, on va faire des rangs raccourcis. Votre patron va vous dire combien de mailles faire, mais en général, pour un patron régulier, Vanille, euh, un espèce de... Go-to, si je peux appeler ça comme ça. Euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer, on va compter selon euh, qu'on va avoir divisé par 3 le nombre de mailles qu'on a sur nos aiguilles. Donc en ce moment, j'ai 28 mailles sur mes aiguilles. Divisé par 3, ça fait 9 points, quelque chose, quelque chose, quelque chose. Donc, j'ai 9 mailles ici, 9 mailles ici et 10 mailles au milieu. Donc 9 plus 9, 18, plus 10, 28. Donc si vous aviez, disons, 30 mailles sur vos aiguilles, vous auriez... 10, 10, 10 sur euh, comme division dans, euh, pour mettre vos petits marqueurs. Vous n'êtes pas obligé de les mettre, je vous les ai mis pour le visuel. Parce qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tricoter jusqu'à temps qu'on arrive au deuxième marqueur. Et on va faire un petit quelque chose de différent ici. On va tourner, on va revenir jusqu'au premier, puis après ça, on va venir faire nos rangs raccourcis jusqu'au bout. Vous ne comprenez pas encore ce que je suis en train de vous raconter, mais vous allez le comprendre à l'instant, quand je vais tricoter tout ça. Bon, donc on est ici avec notre... Donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va tricoter jusqu'à 3 mailles de ce marqueur. Pour moi, ça veut dire tricoter 16 mailles. Donc ça, ça fait 9. Normalement, je n'aurais pas le marqueur ici, mais je, je l'ai pour vous. Puis si ça vous aide, mettez-le. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et après la 16e maille, euh, non, c'est pas vrai. Euh, oui, après la 16e maille, le patron va me dire de ici faire ce qu'on appelle un slip slip knit donc une, euh, un glisse glisse tricote glisse glisse tricote les deux ensemble donc dépendant si vous glissez vos mailles à l'endroit ou à l'envers euh, c'est pas très grave c'est à vous de voir qu ce que vous préférez tricote ensemble la prochaine je la tricote et je tourne mon travail et là, j'étais rendu, tu vois, j'avais bien calculé, j'étais rendu à mon marqueur, donc je peux l'enlever. Quand je retourne mon travail, je vais glisser la première maille, comme pour tricoter à l'envers, et continuer jusqu'au prochain, à, à trois mailles de mon prochain marqueur. Un, deux, trois, quatre. 5 et normalement après 5 mailles, moi je suis rendue 1, 2, 3 à 3 mailles de mon prochain marqueur. Et donc à 3 mailles de mon prochain marqueur, je vais tricoter à l'envers ensemble les deux prochaines mailles, tricoter à l'envers la prochaine et tourner mon travail. J'enlève mon marqueur, j'en ai plus besoin. Et là, maintenant, on peut remarquer très rapidement qu'ici, il y a un beau gros trou. Et ici, quand je vais continuer à travailler dans l'autre sens, il va y avoir aussi un beau gros trou. Et pour refermer ces trous-là, ce que je vais utiliser, c'est mes knit two together. Donc, euh, bien, mon glisse-glisse tricote euh, ou mon euh, tricote deux ensemble à l'envers. Donc, continuons. Je suis dans ce sens-là. Je vais tricoter à l'endroit. Donc, ma laine est derrière. Je vais glisser ma maille. Je vais y arriver. Glisser ma maille. Tricoter à l'endroit jusqu'à temps que j'arrive à une maille du trou. Tricote, tricote, tricote. Tricote. Je, je suis à une maille du trou. Vous voyez, le trou, il est clair. Il est ici. Il est énorme. Et là, je vais faire mon glisse. Glisse, tricote. Si vous ne connaissez pas ces diminutions, j'ai une vidéo là-dessus que vous allez voir juste ici. Et ensuite, je vais tricoter la prochaine maille, retourner mon travail. Dans l'autre sens, ma laine est derrière parce que je vais faire des points, euh, devant parce que je vais faire des points envers. Je glisse la première maille en gardant ma laine devant. Je fais des points envers jusqu'à une maille du trou. Ici, je suis à une maille du trou, vous le voyez très bien, il est clair. Et je vais faire un point envers les deux ensemble. Oups en essayant de ne pas splitter la laine en deux comme ça et voilà et puis faire un point envers ensuite donc là donc la chanson qu'on se répète d'ici à la fin du euh, du talonnet c'est de glisser travailler en point jersey jusqu'à une maille du, de la dernière fois où on a tourné, ce qui nous a créé un trou. Faire une diminution. Donc tricoter la maille avant et après le trou ensemble. Et tricoter la prochaine en jersey. Donc ici, on arrive au trou. Comme ça. Donc, glisse glisse, tricote ici. On a refermé ce trou. On tricote la prochaine et on tourne. Et on continue. Donc, on glisse la première maille avec la laine devant. On tricote à l'envers. Les prochaines mailles. Ok, on est au trou. On tricote ensemble les deux prochaines à l'envers. Donc en anglais c'est un pearl two together. Prochaine maille à l'envers et on tourne. Et comme ça tranquillement pas vite, on va venir, on va venir récupérer à peu, un, une maille par côté à chaque rang et vous voyez comment ça fait, ça, ça vient tourner le talon, ça vient refermer, replier euh, cette petite flappe qu'on vient de faire. On voit déjà la forme de notre talon que ça va donner quand on fait les rangs raccourcis. Alors je vous retrouve à la fin de cette section de rangs raccourcis. Donc je suis à la fin de mes euh, rangs raccourcis. Il ne me reste qu'une qu maille après mon trou. La dernière place où j'ai tourné donc je vais faire mon glisse-glisse tricote ou slip slip knit et j'aurai pas besoin de euh, faire une autre maille après hein, j'ai déjà bien fait je n'ai plus rien à tricoter après et donc je tourne mon travail je fais ma dernière rangée à l'envers et pour cette dernière rangée à l'envers là euh, je n'ai pas à glisser la première maille. Je dois tricoter cette première maille parce qu'on ne veut plus créer d'espace euh, avec un trou puisqu'on va après récupérer les travailler en rond. Donc, tricotons vers jusqu'au bout. J'en suis à mes deux dernières mailles. Je les tricote que pour tricoter à l'envers, mais ensemble. Je retourne et ça a l'air de ça. Donc, j'ai un petit triangle ou un genre de triangle. J'ai mon talon double ici et j'ai ma chaussette, ma cheville. Et je veux. Ce que je vais vouloir faire maintenant, c'est reconnecter le tout. Là, en ce moment, j'ai mes aiguilles, euh, j'ai mes mailles du devant qui sont en attente sur une autre aiguille. J'aurais pu aussi avoir mes mailles qui sont en attente sur la même aiguille si j'avais une très longue aiguille et que je faisais du Magic Loop. Peu importe là, ce que vous avez utilisé comme méthode pour retenir ces aiguilles-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tricoter tout le long des aiguilles qu'on avait sur notre talon. On va venir récupérer des mailles ici, remonter des mailles sur le côté, tricoter les mailles de devant, récupérer des mailles sur l'autre côté et on est reparti en rond. Pour ce faire, on va premièrement compter combien de mailles on a sur nos aiguilles. Moi j'en ai 16. Alors je dois mettre un marqueur au milieu de ça. Ça va être mon nouveau début. De rang, donc c'est de là que je vais commencer. Et je vais euh, commencer en tricotant toutes les mailles. Un, deux. Donc moi je vais me rendre à huit et je vais mettre un marqueur. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. Et je vais me mettre un marqueur ici. Je vais utiliser le même que j'avais ici parce que j'en ai plus besoin, celui qui est à la base de mes m'a glissé. Je vais mettre un petit marqueur ici comme début de rang. Et je continue. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, ce petit son fatigant va être fini parce que je vais enlever cette aiguille. Donc ici, j'en ai fait 8. Et là, c'est le moment que beaucoup de personnes trouve difficile ou euh, stressant, c'est de remonter des mailles tout le long de cette bande. On a fait une maille glissée à chaque début de rang pour une raison, c'est pour avoir la possibilité d'avoir un, un, un bord très très égal. Quand je déroule mon bord, je vois ces petits V tout au long de euh, mon talon double et c'est à travers ces petits V que je vais venir chercher chacune des mailles. J'ai fait 14 Aller-retour. Donc, je vais reprendre 14 mailles et vous allez voir, je vais en ra rattraper une de plus en haut ici pour m'assurer que je n'aurai pas de trou dans mon talon. Pour ce faire, j'aime bien tirer mon, mon aiguille un peu plus euh, de, de, de. me donner plus de, de câbles. Ça va mieux pour remonter mes mailles. Et je vais simplement aller chercher ma première maille glissée. Ça, ici, c'est mon Ma maille que j'ai tricotée deux ensemble. Donc, je vais remonter une petite affaire plus haut ici. Je vais glisser ma, mon aiguille. En fait, c'est ici. Il faut que je déroule bien le, le rebord du, euh, du talonnet. Je vais venir prendre cette maille ici qui est. Qu'on tire, là, on la voit très bien. Deux brins. Je vais aller en dessous de deux brins et je vais venir. En anglais, on appelle ça Pick Up and Knit. Pick and il y a pick-up and knit, donc on vient passer notre notre aiguille en dessous de deux brins et on enroule notre laine autour et on la retire. Donc ça fait deux entre deux brins comme ça, trois. Et je peux le faire à l'anglaise aussi évidemment. Donc je vais à trois. Normalement, si vous avez fait le bon nombre d'allers-retours, vous allez avoir exactement la bonne quantité, 4 de mailles glissées à récupérer. Donc, vous avez juste à aller tout le long et reprendre chaque petit V, comme ça. Le prochain petit V, il est ici. Je vais aller en dessous avec mon aiguille, à travers, comme ça. J'essaie de voir ce que je fais à travers la caméra. Oups. Comme ça. Ici. Comme ça. Donc, on les voit, les trois, ils sont ici. Et à travers le maille. Comme ceci. Quand on s'habitue à ça, là, ça va tellement, c'est tellement facile. Il ne faut vraiment pas avoir peur. Donc, vous voyez comment, à force de, de, de ramasser, il y a une petite série de points, de petits V, de petites chaînettes qui se forment en, à l'arrière de mon aiguille. C'est normal, c'est celle qu'on a ramassée. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 14 et on voit que on a tout rattrapé nos mailles glissées. Il n'y en, en a plus. Hum, on est arrivé au bout. Et donc si votre patron vous dit de juste prendre les 14 mailles et de continuer ici c'est tout à fait normal, sauf que moi, je vous recommande grandement d'en rajouter une de plus pour fermer ce trou-là ici qui éventuellement va continuer à s'agrandir et devenir peut-être dérangeant. Donc, ce que je fais pour ça, c'est que je vais utiliser la pointe de mon aiguille de droite pour aller chercher deux brins, mais à des places différentes pour essayer de refermer le trou. Donc, ce que j'aime faire, c'est aller chercher euh, un brin dans cette région-là ici. Donc euh, habituellement un petit peu à l'intérieur de pas de pas le brin qui est directement sur le rebord parce que sinon ça ne refermera pas bien le trou. Je viens un petit peu plus. Hmm, J'ai envie de prendre celui-là ici là ou peut-être celui à côté. Celui-là ici. On peut prendre le temps de regarder. Donc je prends celui-là ici. Ensuite je vais aller prendre euh, ce cette barre. Ça pourrait être aussi celle-là ici. Oups. Ce, 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 ce petit côté ici. Moi, je pense que je vais aller prendre la petite barre ici. Vous voyez comment mes, mes mailles sont montées en ce moment. Elles vont. Euh, le brin de droite et celui qui est euh, derrière. Et donc, je veux vouloir tricoter ces deux brins-là ensemble. Mais les tri tricoter twistés. Donc, faire un, euh, une maille euh, torse. En fait, une augmentation. C'est un peu comme les augmentations intercalaires, donc je vais venir le tricoter ici à l'arrière. Comme ça. Et ensuite, je vais regarder ce que ça a l'air. Mais oups! En fait, ce n'est pas à l'arrière. Vous voyez comment le trou est encore énorme? J'aime pas ça. Je reviens à partir de l'arrière et je réalise que je n'ai pas fait la bonne, la bonne chose. Je voulais tricoter à partir de l'avant parce que comme ils sont montés à l'envers. Si je veux faire une augmentation qui a, qui a, qui, qui a l'air de ne pas avoir de trou, il faut que je vienne tricoter dans le brin avant. Ce qui est un petit peu plus difficile. Ce qui est, ce qui est similaire à un make one right, un, une augmentation intercalaire vers la droite. Mais là, vous voyez comment il y a moins de trous qui se créent. Ça referme un peu le. Évidemment, ce côté-là ici va se refermer quand je vais faire cette main-là. Donc. Mes mailles pour le devant m'attendent sagement sur l'autre aiguille ici. Ça se peut que vous ayez à les remettre sur une aiguille s'ils étaient en attente sur autre chose. Moi, ils m'attendent déjà gentiment. Donc, je vais simplement, avant de commencer à les tricoter, mettre un petit marqueur de maille pour m'assurer que je sais tantôt où faire mes diminutions pour le gousset. Donc, normalement, j'ai 28 belles mailles qui m'attendent pour ma taille de ma grandeur de, de pied. Je vais reprendre à la continentale pour vous retrouver de l'autre côté. OK. Donc, en ce moment, j'ai presque un rond. Hein? Presque, presque. Je vais encore une fois mettre un marqueur de maille à la fin de mes euh, mailles du devant. Ça va marquer où je vais faire les diminutions pour le gousset. Et encore une fois, avant de commencer à prendre mes mailles du rebord, qui commence, qui commence ici, en fait ici, en bas là, je vais refermer le trou en prenant encore une fois. Euh, je vais prendre cette barre là qui est énorme et je vais venir chercher hum, hum. Je pense que je vais venir chercher celle-là ici pour refermer le tout et ça se peut que je doive changer ici Vous voyez j'en ai j'ai une maille qui va dans le sens gauche à droite, puis l'autre droite à gauche, fait que je vais changer la façon dont je les ai prises. C'est pas obligatoire, mais. Et je vais tricoter ensemble, comme ça, pour refermer le trou. Et puis, je vais commencer à prendre mes mailles glissées. Je pourrais tirer le fil plus si j'avais de l'espace, mais là, vous voyez, je suis un peu plus au bout de mon fil parce que j'utilise une petite aiguille. Donc, je vais juste simplement continuer à aller. Sans tirer mon fil. Ça fonctionne aussi. C'est la preuve que vous pouvez faire une chaussette euh, seulement avec une aiguille, une mini-circulaire de 9 pouces sans avoir à vous casser la tête avec d'autres euh, outils. Cette fois-ci, j'avais pris une autre aiguille pour vous le montrer parce que je trouve que euh, le visuel est plus intéressant. Mais c'est pas une nécessité. Et donc, je vais prendre.

et je suis de retour à mon point de départ et je peux continuer à tricoter jusqu'à mon marqueur qui marque le début de mon rang. Et maintenant, on a un beau on a tourné le talon comme ça et on est prêt à partir de là et à diminuer pour faire le restant de la chaussette. Et comment on fait ça? C'est bien simple. C'est qu'on va tricoter jusqu'à... On arrive à la portion gousset si vous, euh, si vous suivez un patron. Okay. On va tricoter jusqu'à temps qu'on arrive à trois mailles de notre marqueur du côté, celui qu'on a placé à la fin. D'avoir ramassé nos mailles, donc en tricote, en tricote. Donc, ici, il me reste trois mailles. Avant d'arriver à mon marqueur, je vais prendre les deux mailles ici et je vais les tricoter ensemble pour faire une diminution. Et euh, pour vous donner une idée, la première, donc mon talon il est euh, comme ça. <laughs> vous voyez, comme ça, comme ça. Et. En ce moment, ce que je fais, c'est de ce côté-ci, je fais des diminutions vers la droite. OK. Et de l'autre côté, quand je tricote, je suis dans ce sens-là, je vais faire des diminutions qui vont vers la gauche. Donc, la le première euh, diminution de notre rang, c'est un tricote ensemble, knit two together, tricote deux ensemble. On tricote, on déplace le marqueur. On va jusqu'au prochain marqueur. Parce que les mailles du dessus ne sont pas affectées du tout. Donc, si vous avez un patron sur le dessus de votre de votre chaussette, c'est merveilleux parce que ça ne, ça, ne, ça ne va jamais être altéré. On ne touche jamais à ces mailles-là jusqu'à temps qu'on arrive à l'orteil. Ce que je veux dire par exemple, on ne touche pas, c'est qu'on ne diminue pas, on n'augmente pas rien de tout ça. Et donc, on arrive au marqueur, on va le glisser, on va tricoter la première maille et ensuite on va faire un glisse, glisse, tricote ensemble. Encore une fois, vous pouvez aller voir tout ça, les euh, tricotes du ensemble et tout sur le prochain, sur la vidéo qui a été mentionnée au début du vidéo. Et on continue jusqu'à notre marqueur. Et on fait ce, euh, ce rang de diminution à tous les deux rangs jusqu'à temps qu'on ait le nombre de mailles originales, celui qu'on avait au départ entre les deux marqueurs. Donc euh, au départ, j'avais 28 mailles pour le haut, pour le devant du pied, puis 28 mailles, 28 mailles pour le bas du pied ou l'arrière de la cheville. Même chose, je veux me retrouver à avoir 28 mailles ici au devant et 28 mailles ici au derrière, comme ça. Donc vous voyez, un rang sur deux, on fait des diminutions. L'autre rang sur deux, on ne fait que tricoter et ça nous donne ce superbe gousset, comme ça. Et voilà, on a fait le tour du talon double avec talonnet et gousset. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez vous allez me montrer vos belles chaussettes que vous créez à partir de ce patron. Bon tricot.